circuit du Bourbonnais. Juin 2011.
c'était chaud, hein. C'est à combien ça? 600. C'est à 600. Moi je pense que c'est un 7-7. Ça va bien, si elle fait comme ça. Tu fais quoi du circuit? Ouais, ouais, maintenant. Au départ, j'avais ça pour la route, puis après, je me suis acheté une autre et je suis pas là. Ah ouais. Chaud là. Putain, ouais, ça tape. Hein. Et ça, c'est? Un iPod pour prendre des vidéos. Je prends les petites vidéos avec ça. Et elle fait des belles vidéos? Non, non, c'est toute petite, c'est du 640, 480. Ah ouais. Je fais des vidéos comme ça, mais bon. Ah, ouais. Une caméra embarquée, c'est super. Une 19? Ma meilleure chrono, c'est celui-là. Une 17? Une 17, 77. Et je me suis fait fumer par un mec qui a un pot à eau, là. Je sais pas, ça doit être. Non, ça doit être lui. Pas sûr. Ah ouais. Ouh. Allez, en pigeon avec là. Et même avec la même du gaz, ça le prend pas. Ouais, non, non, non.
Bon, alors une 17 par contre. Et après. C'est là que tu. J'arrive pas à le passer. Tu es là ? Bah, je te dis, je reste un petit peu sur le frein. Ouais, je prends la corde. Frein, tu prends la corde, tu commences à accélérer. J'arrive pas à me mettre dessus. Et je déclenche après le cône. D'accord, et là-bas au fond, je commence à traîner un peu plus tard. Je commence à me mettre. Mais non, je t'ai dit en 17. Déjà, il faudrait pas freiner. Bah moi je freine un peu, j'arrive en 5, je freine un petit peu, je fais la quinte. Ouais, c'est ce que je fais avant. Bah moi je fais 4-3 parce que je tire pas. J'ai 4, après j'arrive, je reste en 4, hein, avant, les bras. Ouais. Je la 4-3 sans freiner. Jusqu'au bout, je tire à 2, j'arrête moi. Juste après la bas je plante les freins, je mets la 2 et tout reste en 2. Ouais. Alors après, je pense que là, il y a pas mal de temps à gagner. Après les zébras, le premier, ouais. Tu vois, tu rentres et là, en fait, c'est un long aveugle. En fait, moi si tu veux, je rentre une piste. Je la mets tournée, je commence à aller très fort et je fais à fond et je passe pratiquement, j'ai le genou qui touche le cône, comme deux. Le deuxième ? Le premier ou le deuxième ? Non, non, la sortie, quand on regarde, et après là, tu fais la montée, puis t'as un petit comme bleu là. Donc moi je sors, je reste à fond complet, et puis en tout cas, ça ne peut pas se tourner une droite. Parce que le genou qui touche le cône bleu, après il a rempli l'autre. Et après dans ces trois S là, je vois le chien. Et en fait, quand tu es en bleu, tu commences pratiquement à redresser, tu mets à fond jusqu'à l'autre. C'était presque en ligne droite. Le problème, c'est qu'après les enchaînements, c'est. Ouais, après c'est balancé. Ah, les suivants, je suis sur les suivants. J'ai... Et puis je commence à voir. Ouais, j'ai prêt. Et là, ah, ça déjà, va, une 17. Pourquoi ? J'aime un peu plus la fin du circuit. Parce que... Bah, il est dans le. Combien t'as fait alors sur le fanon ? Oh, t'as 19-7. Ah ouais, 17-7. Ah ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'était quand tu l'as suivi. Ah, quand il nous a doublé. Ouais, de toute façon, c'est à ce moment-là que j'ai essayé de te suivre, moi. Donc, ouais, en moyenne, t'as roulé, on va dire, à la moyenne d'une 18. Hein. Ah merde, il s'est pas arrêté. Tu me lâches tout doucement.